Yo, check, c'est MD, c'est Marshall Dixon. J'aime quand tu fais bisous. Tu me touches le cou. Et ben quand tu m'as dit le nom. Ah, tu me rends fou. Baby, j'aime quand tu fais bisous. Tu me touches le cou. Et ben quand tu m'as dit le nom. Je suis artiste, chanteur, auteur, compositeur. Et producteur et voilà. Et aujourd'hui, on essaie d'entreprendre dans le domaine culturel et autres. Donc voilà. S'il y a un truc, je ne sais pas très bien faire, me présenter. Donc voilà. En ce qui concerne ma carrière, je crois que j'ai démarré dans la musique à l'âge de 13 ans comme choriste dans une chorale Chœur Notre-Dame de Grâce à la paroisse Notre-Dame de Grâce de Lippen, et où j'ai commencé comme clavieriste pour jouer au synthé, pour accompagner ma chorale. J'ai été formé par des gars comme Kandolo Ndaiwel, le grand frère que je salue, Tutumbulamoko Gueze, qui font partie de ces personnes qui m'ont encadré. Olivier Ngala aussi, c'est des personnes qui m'ont un peu encadré dans le clavier pour jouer dans les chorales. J'ai accompagné ma chorale et j'ai appris aussi à jouer aux percussions, ce qu'on appelle les mbunda et tout ça, quoi. Donc voilà. Rien ne part pas, ne fais pas tes valises, reste près de moi. Aujourd'hui je réalise, seul t'es ma vie, seul pour la vie. Laisse parler ton cœur car le mien il est triste, seul sur le sable. Misérable, surtout ne t'en vas pas, tu m'aimais en plein risque. Maria, t'es ma seule histoire d'amour. Maria, t'es ma seule vie d'amour. Love, 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 love moi. Et ce n'est que c'est à 16 ans que j'ai pris le goût du rap par un ami qui s'appelle Bokuba, que je salue aussi, qui lui avait un groupe avec son cousin Chiza. Ils avaient un synthé, mais personne ne savait l'utiliser. Et comme Bo était avec moi à l'école à Bobo-Colli, et il priait aussi à Notre-Dame de Grâce, donc il me voyait jouer au synthé. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, ben pote, nous on a un groupe de rap. On a un synthé, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de venir jouer du synthé pendant que nous on rappe et tout? Moi, tant que j'ai entendu synthé, donc je veux jouer, j'ai dit bon, c'est bon, je suis allé, sans vraiment connaître le délire et tout le truc. Et je crois que c'est en arrivant que je les ai vus rapper leurs textes, leurs trucs, que j'ai pris goût à l'écriture, à écrire et à vouloir rapper comme eux au fait. Sauf que ça n'a pas duré, parce que quelques temps après, Bo devait aller étudier, je crois, à Lubumbashi. Son cousin, Chiza, devait aller finir, devrait aller continuer ses études en Belgique. Et je me suis retrouvé tout seul, avec le goût pour le rap, pour le hip-hop. Et c'est comme ça que, à l'école, j'ai rencontré d'autres amis qui rappaient, à l'école d'application EDAP. Des amis qui rappaient comme Ramirez, comme Easy. Que je leur ai dit, ben, pourquoi on ferait pas un groupe? Parce que moi aussi j'ai rap et j'aime bien le faire. Et on a intéressé d'autres amis, Olivier Ekbal et Ed Kouni. On a fait une formation de 5 et on a commencé à travailler ensemble, des fois en classe, des fois après les cours, on allait chez notre ami Didier Liaou pour aller travailler. Et voilà quoi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on a participé à beaucoup de journées culturelles. On était devenus un peu les stars de l'école, quoi, tu vois. Et après, quand on a eu nos diplômes, l'histoire s'est répétée encore pour moi. Ekbal devrait aller continuer ses études aux États-Unis. Ed Kouni devait continuer ses études en Suisse. Donc, il ne restait plus que Ramirez, Izzy et moi. Et Ramirez, les départs des autres l'a désintéressé du groupe. Il a préféré partir, laisser tomber. Et on est resté qu'avec Easy. Et on a essayé de continuer, mais c'était un peu difficile vu le style qu'on faisait. Ça demandait beaucoup de réponses, beaucoup de bacs. Donc il nous fallait quand même du monde. Et on a intéressé les autres, notamment la Fula Clam, mon ami Ikitambala, paix à son âme, qui lui était toujours dans le groupe. Mais il était un peu comme un administrateur, comme on dit, un bureau. C'est quelqu'un qui nous conseillait, qui nous supportait, mais sans pour autant chanter.
Et il a fini par accepter d'intégrer le groupe en tant que chanteur. Wesh, lève-toi, qu'est-ce que tu crois? On ira tous au paradis. C'est le Dawa, mon frère, franchement, c'est le Dawa. C'est Léo et Kikwa et Ka. Wesh, papa. Wesh, 2003. Nouveau style, nouveau son. Yamatoi. C'est chaud. T'as dansé, balancé. La foule acclame connaissait Amika et Ex-Cathedra, qui l'a demandé de rejoindre la formation, qui ont rejoint la formation, et on est reparti dans le format des 5 personnes. Donc on avait au final Easy, moi, La Foule, MIK, Ex-Cathedra. Et ensemble, nous avons bossé sur le projet La Fiesta et nous avons bossé sur le projet LMSA. C'est ta copine Maya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fois. Qui pointe ta SIGA? Numéro 1, secteur KO. Ouais, dis-leur qu'on les a fait taire. Sauf que quand le projet LMSA est sorti, Ex-Cathedra s'est désintéressé du rap. Et il avait déjà posé son couplet, comme vous allez voir le clip LMSA. Il y a un deuxième couplet où on met que des inserts, il n'y a personne qui fait le playback, qui rappe. C'est au fait le couplet d'Ex-Cathedra. Et on est parti de la formation de 5 pour 4. Et on a continué à fonctionner à 4 comme ça, on a enchaîné le reste, on a fait voilà, après il y a eu Maria, on a sorti un EP comme on peut le dire aujourd'hui qui s'appelait C'est parti, avec des morceaux comme C'est parti, C'est la fiesta, LMSA et Maria, voilà. C'est ce EP qui était sorti. Et on a enchaîné, après on a sorti Maria, qui était aussi un vrai succès. Ce n'est qu'après que Ramirez, qui était parti au départ, a eu cette envie de revenir dans le groupe. On l'a réintégré dans le groupe, mais les gens l'ont beaucoup plus découvert dans Ultra Connexion qu'on a fait avec Pacha. C'est là où on s'était dit qu'on va le mettre beaucoup plus en avant pour pouvoir le présenter à notre public. Bon, après on a commencé à avoir des tensions dans le groupe. Je pense que les tensions sont venues du fait que nous avons pas bien structuré notre groupe. Nous, on était un groupe d'amis, on est parti comme ça, alors que dans la musique, surtout congolaise, ça a toujours fonctionné en termes des leaders. Il faut qu'un groupe ait un leader, et nous n'avons pas de leader. Et le groupe, malheureusement, comme je le dis, commençait à me choisir moi comme leader de ce groupe en disant, étant donné que j'étais le leader vocal, ils ont commencé à me positionner comme les leaders du groupe en disant que sans Marshall, Keep Quiet, ça pèse pas. Sans Marshall, Keep Quiet, c'est rien au fait. Et ça commençait à arriver aux oreilles des autres. Je crois que ça commençait à les gêner. Et ils ont voulu prouver à ces gens-là que même sans Marshall, Keep Quiet existerait. Et ils m'ont collé une suspension à durée indéterminée qui ne tenait même pas la route. J'ai essayé d'avoir des explications, mais ils n'ont pas voulu me fournir d'explications. J'ai fini par comprendre que la vraie raison, c'était celle-là, de prouver aux gens que on peut rester un grand groupe Keep Quiet sans Marshall Dixon. Et moi, je leur ai dit que moi, ma vie, c'était la musique. Que moi, avec ou sans eux, je ferai de la musique. Et ils m'ont dit, ben, si tu veux te casser, casse-toi. Et c'est comme ça que je suis parti en solo. On a enchaîné le premier hit qui s'intitulait My Love. Et j'ai eu la chance d'avoir comme guest le grand Koffi Olomide, la légende, le grand frère, comme je l'appelle. Tu y es mes pleurs et ma bonne humeur, tu fais mon bonheur. T'es ma faiblesse et ma forte de reste, c'est toi ma déesse. Hey, tu fais mes pluies et mes beaux temps, mes hivers et mes printemps. T'es mon sourire et mon soupir. T'es mon âme dans le ciel. Hey, 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 hey.
Non, Marshall, ici c'est les quadracoramas, les grammes ou pas ou quoi. Ça se passe comment chez toi? Ouais, ça se passe bien ici. Tout le monde est là. Gouvernement tic-tac. Didier Liao, ouais. Le monument à la Diongo Interpol. Boni Bouza, Christian Otters, la vie en mieux. Et Chico, Alex Bueva, te souviens? Ouais. Soulé, Elikia, Marilyn Kakone, Jaco d'Amour, Patricia Moutancolé. Bien aussi Steve Godé, Mimi et Dodé Bois-Bois. Leur nomo, Président Thierry, Patrick Pacon, Jean-Louis Aguello, Didier Dat. Marshall, attends toujours. Et je crois que c'était un des gros hits de cette période-là. Nous avons enchaîné avec Yonde Bangote, qui est aussi encore un gros hit. Après, on est parti sur beaucoup de morceaux. Et on a sorti le premier album 100% Tapage, qui contenait My Love, Yonde et le gros On est fatigué avec Marciano, que je salue au niveau de la France. Ils nous ont oublié, oh, vraiment on est fatigué. Le peuple t'a famé, oh. Voilà, et voilà, on a enchaîné ça, on est parti en France pour des festivals à Limoges, pour des trucs, on est revenu. Et voilà, après j'ai signé un contrat avec un label indépendant en France, avec lesquels on a travaillé en lacet, dont la première version était sortie en 2009. Et nous avons enchaîné une deuxième version pour le clip, parce que les chaînes câblées étrangères réclamaient une version HD. Donc on a dû refaire le clip qui est ressorti. Et avec le deuxième, avec ce label-là, nous avons travaillé le deuxième album qui s'intitulait Playboy, où il y a eu des morceaux comme Enlacés, le Zouk, de morceaux comme Bienvenue chez nous avec Molaré. À l'époque, le coupé décalé était au top avec Molaré, l'Ivoirien, avec Anofela, avec Black Vénère, Top One Frisson. Un bel album, mais qui a beaucoup souffert de la communication, de la promo, parce qu'après la sortie de l'album, déjà à la sortie de l'album, nous avons connu beaucoup de difficultés avec le label. Jusqu'après, j'ai dû préférer quitter le label et me relancer en solo avec ma propre structure MD Music, comme au départ. Et avec ma propre structure, on a ressorti un troisième album qui était beaucoup plus pour ici en Europe, qui s'appelle Good Feeling, mais dont j'avais mis un morceau qui était un clin d'œil pour mes origines. Le Congo, qui s'appelle au fait Botianassé, qui est un de morceaux de l'album Good Feeling, qui parle de politique, qui a bien tourné au niveau de Kin, surtout grâce à, au faut le dire, à mon grand frère qui chante Lusa Kweno sur Top Congo, et le clip qui est sorti qui a aussi bien tourné. Et... Botana,
tête. Comme d'habitude, ils vont oublier. Au pouvoir, ils vont roupiller. Plus d'argent, ils vont tout piller. Même un endroit, ils vont soutirer. Ils nous prennent pour des bêtes. Hein. Nous, on crève et ils fêtent. Hein. Ils nous jettent des miettes. Et en plus, ils sont têtes. Mais oh yo, colo gâté. Va bien qu'il y a bouillé dans l'eau batté. Oh yo, colo gâté. Mon gâté, il y a bouillé dans l'eau batté. Pardon, colo batté. On la cabo, salade. Tous est là. Peuple à l'obé. Bitumba Masasi est si là. Peuple à Sengi. Y'a bandana qui vient à l'IA. Moussala est foutite. Panabala l'inzala. Donc ça c'était le troisième album et après nous avons enchaîné que des singles comme Elenga Mbuma, Le Peuple d'abord, Maria Remix, Achananae et puis voilà. On a sorti beaucoup, on n'a pas arrêté de sortir de temps en temps des morceaux. Parce que faut le dire, aujourd'hui, la musique n'est plus mon activité principale. J'ai d'autres activités, mais je continue dans la musique sans pour autant être dans une compétition, dans un format compétition. Donc voilà, aujourd'hui, je fais beaucoup plus ça pour faire plaisir aux gens qui m'ont suivi depuis le début. Et puis voilà. Et maintenant, là, nous sommes beaucoup plus en train de développer des différents projets. Comme j'ai dit, nous sommes sur le projet MD Music, qui est une plateforme de téléchargement. Qui nous permet de faire vendre de la musique, des audios, des vidéos, des livres en format numérique, une billetterie pour des événements, des concerts, pour vendre des tickets électroniques. Et voilà, donc la plateforme s'appelle MD Music RDC, l'application est disponible sur Google Play Store, sur Apple Store aussi. Et nous avons une deuxième plateforme que nous avons lancée dernièrement, Proximity, qui est beaucoup plus au niveau scolaire, pour permettre au fait aux parents d'être alertés tous les jours de la présence ou l'absence de leur enfant en classe. Et cette plateforme permet de communiquer, d'envoyer des messages. Les parents peuvent envoyer des messages directement à l'instituteur comme à la direction, et la direction peut envoyer des messages directement aux parents sans pour autant passer par l'enfant qui est l'intermédiaire. Donc voilà. Pour l'instant, on est beaucoup plus focus sur ces projets-là qu'on développe. Mais je suis aussi en studio, une bonne nouvelle, parce que j'ai beaucoup de pression de mes fans et des gens qui ont aimé et qui aiment ma musique, qui me demandent toujours à quand les nouveaux morceaux. Voilà, je suis en studio. On prépare le petit projet Mr. Love Man qui va arriver, qui est un projet 100% love, où il y a des rythmes rumba, salsa, compas et tout, mais qui ne parle que d'amour. Voilà. Ça va arriver. Le premier morceau va être Gladiateur, qu'on est en train de finaliser. Et puis, il y aura beaucoup de morceaux, comme Balançoire, comme Isabella. Il y a beaucoup de morceaux qui vont arriver. Je pense que vous allez être servis. Et voilà. Comme j'ai dit, mais sans entrer dans la compétition, je pense que on n'a plus le temps ni l'âge d'aller en compétition avec la jeune génération, que j'aime beaucoup, que je salue, parce qu'ils ont pris fièrement le flambeau de ce que nous avons commencé. Aujourd'hui, ils ont poussé encore plus haut le level. Et je suis fier, voilà, des artistes aujourd'hui qui se démarquent, qui font la fierté de ce mouvement, comme les Inos B, les Guez Maoete, les Guez Fabulous, les Bazarba, les MPR, les Kony, les... Voilà, tout ce monde, ils sont tellement, tellement nombreux. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on est fiers d'eux. On leur demande de continuer. Donc, voilà. Donc très bientôt, Dixon, vous aurez des nouveautés. Yeah, Dixon on the beat, yo. Yeah. Yeah. And the music. Fais de moi ton homme et je dissiperai tes peines. I love you. Tu seras ma reine et tu couleras dans mes veines. My baby, baby, baby. Je te rendrai ton beau sourire, là où les autres t'ont saoulé. Je veux noyer tous tes soucis, Titanic qui vont couler. Je veux soigner ton petit cœur, là où les autres l'ont cloué. Baby, laisse-moi juste aimer ma baby. Tu m'as désarmé. Tu seras cette princesse, quand ton père te l'a toujours dit.
le meilleur comme dans le pire. Je ne changerai jamais d'avis. Je présenterai à mes parents. Tu seras la mère de mes enfants. Oui, c'est toi ma nouvelle vie. Fini les filles et les sorties. Je dirai à mes amis que les soirées foutent, c'est fini. Baby, laisse-moi juste aimer ma baby. Tu m'as désarmé. Je te dirai tous mes secrets, car toi et moi c'est du concret. Je te donnerai tous mes codes PIN, ma confidente et ma copée. Tu es belle et sans défaut, faut que je passe vite un anneau. À ma petite équipe, le Coro, Yannick le Coro que je salue, et voilà, Peggy Congo, Rosé Bikunga, Geoffrey, Alino Chongo, Didier Liao, voilà, Idriss Tomboela, toute l'équipe en tout cas. Donc voilà, merci à vous, Alain Prince, la Mangala, plein de bonnes choses, c'était Marcel Dixon. Ciao. You make me